Foot Expo, le premier salon international du football africain, a tenu sa deuxième édition à Marrakech, au Maroc, du 11 au 13 octobre. Inauguré par le vice-président de la CAF, Almani Kabele Camara, Foot Expo se veut une plateforme d'échange de produits et de services entre les industriels du football, les clubs, les fédérations nationales et internationales. Nous pensons que c'est une bonne augure pour le développement du football africain dans la mesure où à ce salon, vous avez tous les intervenants dans la chaîne de football, depuis les bâtisseurs, les constructeurs, jusqu'aux fabricants de matériel et puis jusqu'aux structures sportives. Et nous voulons donc ici dire bravo et pour cette excellente organisation et nous pensons que les prochaines éditions connaîtront un succès encore plus grand pour le plus grand bien du football de notre continent. Parmi les exposants du salon, Tovio, un équipementier burkinabé. Créé en 1994, la marque habille aujourd'hui plusieurs équipes nationales ainsi que des clubs de football et de basket du continent. Foot Expo est pour Tovio une occasion d'asseoir durablement sa renommée dans le sport africain. C'est une belle tribune qu'offre ce salon. Ça permet de rencontrer des nouveaux partenaires. Nous avons rencontré pas mal lors de ce salon. Et ça permet aussi de mettre, bien sûr, de présenter le savoir-faire africain. Et en tout cas, c'est une très belle initiative, ce salon. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Foot Expo, c'est aussi un espace de débat et de réflexion sur l'amélioration des infrastructures du sport sur le continent. Des têtes pensantes africaines et du monde entier viennent y partager leurs expériences et leurs savoir-faire. Et ce, dans le but de moderniser le football africain et d'en faire une référence internationale.